Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un tag que j'ai inventé, ou plutôt un tag que j'ai revisité. Donc le tag de base c'est le schlaichki, je pense que vous connaissez plus ou moins tous, donc sinon allez voir des vidéos dessus. Donc j'ai refait en le personnage LGDC qui, donc vous en faites pas, c'est ma batterie là qui fait un bruit un peu bizarre. Donc voilà, donc je l'ai un peu revisité, sinon c'est à peu près le même principe. Donc première question, quel personnage d'LGDC préfères-tu? Donc moi c'est Étoile Bleue, je pense que vous le savez tous, mon bébé Étoile Bleue, enfin bébé Étoile Bleue quoi. Deuxième question, quel personnage de LGDC trouves-tu le plus mignon? Bon je pense que plutôt c'est un chaton ou un truc comme ça. Je trouve que Flash de Granny était trop mignon, voilà. Parce que quand il était petit c'est lui qui avait eu peur de Croc Jaune. Donc voilà, je sais pas si vous savez, mais voilà c'est une petite anecdote. Quel personnage de LGDC te fait le plus rire? Donc moi c'est comment elle s'appelle? Un œil, voilà. Quatrième question, quel personnage d'LGDC te fait penser à toi? Donc moi c'est pas Étoile Bleue, mais c'est vous allez être étonné, mais c'est je dis ça mais je sais pas en fait. C'est Cœur Blanc, voilà. Cœur Blanc me fait plus penser à moi. Parce qu'elle est bizarre. Enfin, je suis sympa, elle est bizarre, non. Enfin voilà, je sais pas pourquoi elle me fait penser à moi. En fait, elles se sentent différentes. Et moi, je me sens différente. Ne me demandez pas pourquoi, parce que j'ai un cerveau très compliqué. Voilà. Quel personnage de GDC tu fais penser à ta meilleure amie? Donc moi, j'ai trois meilleures amies. Ça va être long, mais c'est trois filles. Donc Jeanne, tu me fais penser à... Elle va me tuer à ce moment précis. Tu me fais penser... La tempête de sable, mais elle connaît pas encore la vraie tempête de sable puisqu'elle est au début, donc elle connaît pas le moment où tempête de sable va changer. Voilà, tu me fais penser à ce moment là Lilia, tu me fais penser je sais pas trop en fait, tu me fais penser à papillon, voilà. Et Emma, tu me fais penser à poil d'écureuil, voilà, c'est très gentil, voilà. Oh, c'est vrai en plus, mais le bon côté de poil d'écureuil, hein. Sixième question, quel personnage voudrais-tu ressusciter? Donc bien sûr Étoile Bleue, c'est un peu logique, mais parce que c'est mon personnage préféré et qu'elle est morte. Mais on va pas dire Étoile Bleue parce que sinon je risque de répondre toujours Étoile Bleue, mais je vais dire Museau Cendré ou Croc Jaune, plutôt Museau Cendré, voilà. Septième question, quel personnage aimerais-tu faire prendre vie? Étoile Bleue ou Étoile de Brume? Étoile Bleue ou Étoile de Brume, l'une des deux. Quelle mort de LGDC t'a marqué le plus? Donc, je vais aussi dire, je vais dire la mort de Croc Jaune, c'est celle qui m'a rendu le. Qui m'a un peu choqué, voilà. Enfin, la mort d'Étoile Bleue aussi, mais la mort de Croc Jaune, on va dire, sinon, voilà. Vous comprenez pourquoi je dis ça. Qui a été le meilleur chef du clan du tonnerre pour toi? Donc, pour moi, c'était Étoile Bleue. Voilà. Pour toi, qui a été le meilleur guérisseur ou la meilleure guérisseuse du clan de l'ombre? Donc moi c'est Croc Jaune, donc elle a pas été que guérisseuse là-bas, mais elle a quand même été guérisseuse. J'aime aussi Rhume des Foins, mais je l'aime bien, mais ça a pas été le meilleur des guérisseurs, hein. Là. Voilà. Donc ce tag est fini en fait. Voilà, donc j'espère que ce tag vous aura plu, malgré qu'il soit très très court. Donc je tag toutes les personnes qui veulent faire œil divin, plume de lion, enfin Icy Knight, tous ceux qui veulent le faire quoi. Esprit Fjord aussi. Voilà. Tous ceux qui aiment LGDC, voilà. Aïe. Bon, voilà. Donc, excusez-moi vraiment parce que en ce moment mes vidéos sont plutôt courtes, mais je suis malade et j'essaie d'aller vite parce que ma batterie est morte. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et bien sûr à vous abonner. Bisous!